voici connecté sur la fréquence un duo rolliste. Bienvenue Retrouvez un joueur et un maître du jeu. Que demander de plus pour vivre des aventures Aujourd'hui, nous nous lançons dans une nouvelle saison grâce au studio Agathe et le monde Deanna pour Donjon et Dragon 5 ème édition. Rejoignez-nous et venez découvrir la Cité Franche, un des joyaux de ce monde. Mais des tourments l'assaillent et un simple apprenti magicien, même pas éveillé à la magie, va se retrouver et contribuer sans s'en douter au plus grand chamboulement depuis la naissance du dieu Tamerak. Nous retrouvons Fossoyeur, qui, après avoir discuté avec son professeur de magie, le magistère Severus Snap, de la découverte de cette œuvre de dragon d'agate, est en route faire son travail dans le quartier Cyrillane où il officie avec le médecin légiste. T es en train de passer à tout ça pendant que tu faisais ton chemin et que t'es arrivé donc finalement au, aux portes du quartier Cyrillane quand tu es alpagué justement par, par une jeune femme, une, Ma haute, que tu connais, qui euh, devait faire les 100 pas en grand qui fait Ah, vite, Arthur, euh, euh, Herbert, euh, Herbert, c'est le médecin de principal. Euh, Herbert, t'entends, il m'a envoyé te kérir dès que tu arrives, il a besoin de toi euh, urgemment. » Ok. Donc, ça ne devait pas être mon ami parce que tous mes amis m'appellent le Fossoyeur. Ils pas Arthur, c'est pas... que mes profs. Ok, qui pardon. Ça. Alors, Mais a pas de problème. Euh, bah, ouais. Ok, donc, euh, elle utilise le bon nom, en tout donc, cas. Donc, Fossoyeur, tu... c'est le nom que Fossoyeur tout le monde me donne. Ok. Ça c'est ma, euh, macabre, mais c'est comme ça qu'il m'appelle. Okay, donc cette jeune, cette jeune, femme entre okay, donc je, on nous accourant Fossoyeur, Je te dis, Herbert a besoin de toi et euh, donc, donc, vous naviguez vite dans la ville, effectivement, comme d'habitude, toujours le même sentiment avec l'oppression enfin, entre guillemets avec les, les réfugiés dans les différents coins et tout, même si là, on est en pleine journée. Et donc, tu arrives à l'office où il y a Herbert qui, qui est sur bah, dans son truc habituel de votre office comme comme elle est quoi. Euh, donc, dès que tu arrives, ah, faux soyeur, parfait. Euh, j'ai besoin de toi. Viens, euh, viens vite. Bon, mais je donc, me change. Euh, j'ai si mon, je... tu sais, j'ai un grand tablier en cuir. J'ai des gants. Mm. Bon, j'ai mes que je les avais déjà, donc je les remets sur la tête. Mais j'ai un habit. Euh, et étant donné que je suis un bon médecin, j'ai compris un minimum. Euh... Est-ce qu'on est qu peut avoir le concept de bactéries et qu'il faut se laver les mains pour ne pas transmettre des bactéries ou quelque chose comme ça ou? On peut avoir un concept qu'une certaine hygiène ça voilà. protège de donc peut-être faire un minimum d'hygiène pour pouvoir comme si je rentrais dans une sorte de salle d'opération sauf que c'est pas une salle d'opération c'est une mort mmh, mmh. donc oui je, mmh, mmh. donc je me prépare ça doit prendre quelques minutes ouais. cinq minutes et puis mmh. ensuite je rentre le protocole avec la charlotte ouais. sur la tête bah ça en fait ça, on va dire qu'il y a le parti bureau qui est plus euh, administratif et puis après vous avez ce zone avec un où il y a la partie un peu plus froide, où justement on pouvait garder les corps et tout ça, et dans cette zone-là il y a la partie un peu préparation avec aussi une sorte de bloc de découpage ou autre, donc tu prends ce que t'as fait, t'as ton truc, et puis euh, donc il t'amène à, à un des coins où il y a une sorte de frigo, où vous pouvez avoir des différents encore, un truc comme ça, entre guillemets, et, euh, et donc là, par rapport à la zone où c'est euh, les corps d'attente des, euh, des personnes non identifiées, il y a une sorte de, de rideau qui a été mis un peu comme pour isoler un peu une zone quoi, et euh, donc t'as Herbert qui se tourne vers toi et... Euh, te dit voilà on m'a ramené ça ce matin pour l'instant il n'y a que quelques membres de la vigence qui sont au courant je n'ai pas envie que ça s'ébrite tant qu'on soit on n'est pas sûr c'est pour ça que j'ai besoin de ton avis mais je ne t'en dis pas plus est ce que tu peux regarder et me faire ton analyse pas, il te, ouais. il, te, il, te, il se dégage pour te laisser passer et, et regarder donc de ma plus grande conscience professionnelle je rentre et donc je commence à à ausculter le corps, pas ausculter mais à passer en revue le corps vraiment euh, de manière très méticuleuse. Et je commence pas par le visage, donc du coup, si si c'est une personne connue, je la reconnais pas forcément. C'est plutôt euh, regarder les s'il y a des blessures ou, euh, oui. ou si Herbert a déjà commencé à faire une certaine pratique. Par exemple, tu sais découper des endroits ou oui. pour voir les organes ou un truc comme ça. Oui. C'est plutôt la partie mécanique du corps d'abord et ensuite s'il si faut que je reconnaisse quelqu'un, oui. je reconnaîtrai quelqu'un mais plus euh, on va commencer par euh, comme si le garagiste voyait un moteur quoi et il faut tout à fait on, on va regarder et le moteur. Je vais commencer par un petit jet de oui, sagesse, un safe sagesse oui. Eh ben 19 plus 5 24 donc je suis bon. Aucun problème parce qu'en fait c'est pas tout à fait un corps ah d'accord en fait tu m'as laissé parler pendant 3 minutes alors que c'est pas du tout ça bah oui parce que j'imaginais bien justement le fossoyeur en train de se préparer il va C'était comme la voiture et tout ça et puis en fait il passe et c'est pour ça qu'il fait ce jeu parce qu'il n'y a pas un corps, il y a des morceaux de corps ah ok, Oh non non c'est moins grave alors si ça reste quand même humanoïde c'est comme si tu m'avais dit c'était un insecte géant ou un truc comme ça là ça m'aurait choqué un peu donc ça reste humanoïde et c'est des morceaux de corps euh, humanoïdes, ouais. Mais t'as un morceau de bras, t'as un bout de truc, t'as pas de tête, t'as. Ça me fait rien du tout. Donc. Vraiment, ça me fait rien du tout. Mais vraiment, ça, je, je suis complètement blasé par rapport à ça. Euh, voilà. Ça aurait pu être des, des, des petits doigts découpés, euh, ça, ça m'aurait fait aucun mmh. effet. En tout cas, euh, c'est comme ça que je le vois, euh, que je vois le fossoyeur Donc, euh, ok, donc. Fait. Du coup, euh, ça va être plus méthodique et de mmh. euh, prendre un, une première partie de corps que je trouve. Et ouais. de regarder et ensuite prendre des notes parce que je prends des notes mm -hmm. euh, et ensuite prendre une autre partie de corps jusqu'à ce que je les passe tout, tout en revue on va dire. Parfait. Alors fais-moi un petit jet de médecine. Ok, médecine, je suis capable. Vin naturel. C'est trop parfait. Je sais pas ce qu'il a demandé aujourd'hui mais il est en feu. Alors on va continuer. <laughs> euh, donc même si c'est un vin nat. Pour un peu l'ambiance, quand même, t'as effectivement, t'as pris tes morceaux, t'as tout regardé, tout ça. Donc, t'as commencé à repérer certaines traces de mâchures sur les parties du corps, une sorte d'odeur un peu, un peu spéciale. Euh, t'as repéré aussi des traces de, de craie, enfin, de matière sur la peau. Il y a à certains endroits, il, il y a de la craie qui est présente. Et avec le vinat, tu sais ce que c'est qui a mangé, euh, qui a mangé. Donc, en plus, tu penses qu'il y a, il n'y a pas vraiment... Il y a peut-être au moins deux corps différents. D'accord. Et... Euh... C'était quoi C'était des humains des... Je peux déterminer leur origine C'est les... des humains, ouais. Ok. C'est des humains et... Euh... Oui, des humains. D'accord. Après, l'origine, avec les traces de morceaux de vêtements qu'il y a, ça fait penser à... Des... Enfin, parce qu'il y a certains bouts, il y a, il, y a, il y a... Par exemple, il y a le bas d'un corps avec le pantalon, tout comme ça, ça ressemble à... au genre du secteur. De toute façon, ça a été trouvé dans le secteur. D'accord. Et euh, donc tu, oui, donc tu sais ce, tu sais ce que c'est d'après la, t'as jamais été confronté ou autre, je pense, mais par rapport à tes lectures ou autre. Et c'est, il y a deux choix, c'est soit une goule, soit une blême. Dans tous les cas, c'est les morts vivants. Oui. <laughs> en tout cas, c'est un mort vivant. Tum, tum, qui a fait tum, ça. Tum. <laughs> donc euh, je. Donc, qu'est-ce que tu fais? -ce que je... là pour l'instant on est que je... en train de faire ton truc ouais. est-ce que je sais pas si c'est l'une ou l'autre parce que j'ai pas les moyens de tester si la goule il y aurait un réactif qu'il faudrait mettre pour voir si c'est plus ça plutôt que l'autre ou c'est juste parce que c'est des traits communs qu'ils ont et que si on voit pas la créature on peut pas savoir exactement c'est ça c'est okay. les, les traits communs qui font que là tu peux pas savoir bon mais je pense que je dois passer quand même euh... s'il y, a... y a beaucoup de boue ça doit me prendre quand même pas mal de temps donc j'y dois au moins y passer ouais. une bonne heure dessus euh, mmh. Mmh. Entre, à passer entre regarder les trucs, les manipuler, les mesurer, les machins, et prendre des notes. Et donc, au bout d'une mmh. heure, je, je retourne, je ressors euh, voir Herbert. Et donc, je lui fais mon rapport. Donc, euh, très détaillé, très, euh, très carré, très, très légiste, quoi. Hein, très, euh... Et surtout, extrêmement factuel. Donc, pas du tout de la fantaisie mmh. ou de l'imagination. Pas de l'imagination, mais pas l'interprétation. Euh, mmh. Mais plus... Euh, telle affaire, et telle affaire, et telle affaire, et, telle, et tel, tel aspect, et tel machin, et truc machin, qui feront penser chimie, bas, quoi, par rapport à ça, ça etc. etc., etc. Ouais. Donc c'est ça ouais. que je fais. Super. Et donc tu lui balances le mot goût blême Oui. Donc à ce moment-là, son visage, je dirais pas se décompose, mais il réagit très fortement. Et... Euh, donc ce que Herbert dit, c'est je... pire que ce que je croyais. Il faut absolument pas que... qu'on crée un mouvement de panique dans le quartier. En plus, avec tout ce qu'on nous met dessus actuellement, ça va vraiment pas servir notre vie de quartier. Ah, ben bah là, il faut après les, les tu prêtres Tu vas devoir euh, aller sur place. Les prêtres du façonneur. Euh... C'est pas, pas les prêtres non. du façonneur qui, sont, qui exorcisent les, les morts Je pense qu'il va d'abord falloir que tu, tu ailles sur place. Bon, pas tout seul, hein, bien sûr. On va, on va trouver euh, quelques personnes de confiance. Ok. Il faut que tu ailles sur place pour voir même si ton rapport est sans sans bas qu'il faut qu'on trouve la zone et qu'on se débrouille par nous-mêmes. Donc on va pas faire venir d'autres quartiers ici parce que l'information circulera trop. À moins qu'on trouve quelqu'un de confiance mais là dans le temps imparti je pense qu'il faut agir rapidement. Il faut absolument que tu ailles sur place pour identifier le nid, combien et en parallèle je vais préparer ton idée de faire venir des mondes de nord est une bonne idée, mais de les préparer pour pouvoir les, les faire venir et, euh, et faire Mais si on peut avec la vigence et avec euh, quelques personnes après intervenir une fois que as repéré et confirmé bien ce que tu dis ça sera ça sera bien Ok um, ils ont été trouvés où? Notre, euh, notre vigilance du matin euh, l'a trouvé dans ce secteur là donc il t'indique un secteur du quartier quoi. Donc tu as vu le quartier, il est cerné par la, la falaise. Donc c'est une partie du quartier qui est contre cette falaise là et tu, euh, tu y connais bien la, la il y a une taverne pas mal de taverne mais là, il y a une taverne qui est bien connue c'est la Franche Boréa et dans ce secteur là a trouvé donc au niveau de des rigoles euh, des rigoles d'eau il y avait ces, ces morceaux là quoi euh, ok mais donc il va falloir enquêter et de euh, toute façon je sais que étant donné que c'est quand même dans mon domaine dis-moi si je sais, ce que je sais et ce que je ne sais pas mais en l'occurrence les ghouls et les blêmes, ça sort pas le jour, ça craint la lumière du jour. Euh, la plupart du temps, ça se cache dans les souterrains, dans les caves et dans les machins. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui, une fois que je serai sur place, pour essayer de m'indiquer euh, quels sont les endroits les plus propices où elles peuvent être. Mais il faut le faire sans s'exposer, quoi. Mmh. C'est ça. Ok. Donc, euh, est-ce que Cave est en ville? Parce que peut-être que ça pourrait être, euh, elle, ma, mon, 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 mon escorte. Hein. Mmh. Ou pas. <laughs> cave pour être en ville, pourquoi pas. Donc, est-ce que je pourrais aller avec une personne de la vigance et cave, ou sinon deux personnes de la vigance ou une personne de la vigance, comme tu veux, comme tu veux. Euh, tu peux avoir euh, cave et une personne de la vigance. Faudrait un pisteur. Euh, donc, de ce que tu sais de cave, tu sais pas trop. C'est pas impossible qu'elle sache euh, sur des traces. Ok, bon bah faisons ça, si elle est du coup comme je la connais, que je lui fais un, un, un minimum confiance, je préférerais plutôt aller avec Cave et quelqu'un de la vigilance plutôt qu'aller avec des inconnus. Ok, donc euh, as un garde de la vigilance qui va t'accompagner avec euh, donc tu donc t'as envoyé un message, donc euh, ça me prend un peu de temps pour aller euh, la trouver, qu'elle se libère, mais. Du coup, je, euh, je profite ah. de ce temps-là déjà pour me changer, pour me préparer euh, à l'enquête, quoi, et je, me, euh, ouais. je marme. Parce que je ne suis pas totalement débile non plus. Et que je ne veux pas <laughs> me faire attaquer par, euh, par des, des ghouls euh, ou des plems Et en l'occurrence, oui, s'il y a un temple pas loin, à toi de me le dire. Et si j'ai le temps, peut-être aller demander de l'eau bénite. Il n'y a pas de temple dans le secteur de Sirilane. Okay. Les temples, ils sont euh, sur la terrasse, sur la nécropole et dans d'autres secteurs. À Sirilane, il n'y a pas de temple. Alors après, il y a peut-être des... Euh... Truc non officiel, mais il n'y a pas de temple officiel. Je suis pas forcément convaincu que je connaîtrais les trucs non officiels, pour être honnête, parce que <laughs> voilà. Ouais. À moi qu'il y ait un, un temple non officiel de mort euh, et que je que probablement que je fréquenterais régulièrement, mais sinon euh... non, ça serait le temple de mort, c'est en dehors de la nécropole. Ok, bah donc non. Alors du coup, ben écoute, je me prépare. T'as mis, mis quelque chose que dans le message pour récupérer Cave euh, Urgent, dangereux. Euh, rejoignez moi Besoin d'aide. Après aussi un truc que tu sais effectivement par rapport à à Cave et à, au fait que elles viennent du cannes c'est que donc c'est des peuples qui sont habitués à combattre les euh, spectres, euh, goules et autres choses parce que c'est leur territoire. Sont euh, pas pour les mêmes raisons, mais ont été fortement confrontés à ce genre de population quoi. On peut dire. Ok, bah c'est encore mieux en fait. Mm. Par rapport à un garde des villes de la Vigence et qui n'a jamais rien vu. Là, on parle plutôt <laughs> de quelqu'un qui, qui sait au moins en reconnaître. quoi. Mm. Parfait. Donc, vous mets, vous préparez. Donc, on va dire que vous avez fini tes préparations. Voilà, vous vous retrouvez sur place. Donc, tu as un garde qui, qui se présente. Qui, qui s'appelle Isaac. C'est Il a l'air de bonne. physiquement de bonne composition. Assez jeune quand même. C'est pas un jeune novice, mais c'est un, un jeune habillé, euh, ben, donc, en tenu de, de vigence, donc un peu militaire, et euh, voilà, avec un visage un peu souriant, un peu poupin. Ok, donc j'ai pas eu, j'ai pas un, un vieux briscard de la garde des reins, quoi. Ok, bon, on va faire avec. Non. <laughs> on va faire avec. Avec un peu de chance, on n'aura pas trop à se battre. Vers quelle heure c'est? Sommes-nous plutôt euh, en soirée, tandis que j'ai passé la journée à l'université, à l'école, ou? Bah là, on va être euh, le, c'est la pi hour hein. Ah super. Bah du coup, il y aura du monde à la taverne. Oui. <laughs> D'ailleurs, quand vous arrivez dans le point de rendez-vous, vous entendez du monde à la taverne, donc il y a beaucoup d'animations. Euh, alors bien sûr, il y a les réfugiés, il euh, y a pas mal de pauvreté dans la rue, dans, le... dans votre coin autour, quoi. Euh... Et du monde dans la taverne. et voilà. Et donc c'est, il faut imaginer le, ce, cette partie du quartier comme une sorte de demi-cercle, avec au centre il y a les rigoles d'évacuation qui permettent d'évacuer les eaux usées et tout ça, et donc qui rentrent dans la, dans la falaise. Euh, il y a une sorte de puits qui est euh, sur un côté, Puis, à côté du puits, c'est là où il y a la taverne, une sorte de gros manoir un peu, et ensuite sur euh, tout le pourtour il y a des tas de briques et de brocs de maisons, soit des maisons manoirs avec lesquelles on a ra rajouté des bouts en bois peu façonnés, soit des, plutôt des sortes de ruines. Il y a une sorte aussi de gros d'entrepôt dans un coin. Euh, voilà. D'accord. Et donc, en fait, Isaac qui vous accompagne, c'est lui qui, a, qui avait trouvé les, les morceaux le matin et donc on l'a remis de service le soir parce que pour indiquer précisément là où il avait trouvé, comment il avait trouvé la. Truc. Donc, euh, donc voilà monsieur euh, c'est ici que j'ai trouvé donc il, il montre à l'endroit de la rigole où il avait y euh, avait les morceaux qui flottaient dans l'eau là qui étaient euh... donc les morceaux ils flottaient dans l'eau d'accord donc la première euh, la première chose à faire c'est de regarder dans quel sens elle va l'eau parce que si les morceaux ont dérivé, ils doivent venir d'en moment. donc tu vois que euh, l'eau descend donc elles, elles de la elle vient de la montagne de la falaise. Et de la falaise, d'accord. Et est-ce qu'il y a des traces Il faire un jet de euh... survie. Je suis pas bon à ça. Je peux essayer, mais. Euh... Ouais, essayons. Ouais, 7 plus 3, 10. Je suis pas bon à ça. <laughs> bah, tu vois qu'il y a plein de traces de plein de trucs, mais. Euh... -ce que... Après, euh, tu -ce peux demander peut-être à euh, Cave, elles peuvent regarder si tu veux. C'est ça, oui. Euh... Et, et donc, en gros, en fait, quand on s'est retrouvés, je, je lui ai dit la vérité que il fallait pas en parler, mais qu'on suspectait des morts vivants, des goules ou des blêmes, des, ou des blèmes, et que j'ai pensé que étant donné qu'elle venait de là-bas et que c'était, euh, ça... elle était plus exposée à ça, qu'elle serait plus à même de les traquer. Donc j'étais Assez honnête avec elle, je lui ai juste, juste dit d'en de, parler à personne. Même, même mmh. de ne pas l'évoquer à vote. Ok. Donc, euh, euh, donc je te remercie de, de ta confiance et euh, oui, je ferai de mon mieux car euh, ça, ces créatures euh, déstabilisent l'équilibre euh, des Hannah et il faut les purifier. Donc euh, elle a regardé aussi, euh, tu vois, elle s'est mise à accroupir, elle a regardé les trucs. Il faut les purifier ou les étudier dans trop, trop de monde... Euh, Trop de monde sont passés dans le secteur, je ne trouve absolument rien. Mais peut-être que ta proposition de remonter vers le. C'est ça, allons en amont et, euh, et essayons d'aller voir si on trouve euh, quelque chose euh, de. des traces ou, ou d'autres euh, choses en fait. Donc dans la. la rigole en fait, elle, effectivement, donc les eaux euh, d'évacuation et tout ça, ça, ça circule via. Plein de réseau et donc là, ça arrive effectivement dans le réseau de la qui est dans la falaise, mais il y a une grille en fait qui est fermée devant vous. Il y a une grille, d'accord. C'est une grille euh... comme si c'était une grille de... de goût Ouais, exactement. Mm -hmm. Et ça se soulève, ça Non, c'est face à vous. En fait, il y a la rigole et c'est devant vous comme okay. une porte. Ça fait. se décroche Qui Bah, ben, il faut essayer. Mais je demande au, au gars de la vigilance là. Euh, bah normalement c'est verrouillé. Euh. Donc tu vois qu'il s'approche pour... Euh... Ah j'ai pas les clés pour moi pour ouvrir. Tu vois qu'il essaie de tirer un peu. Et en fait ça, ça s'ouvre. En fait elle n'était pas fermée la grille. Ah bah voilà, vous êtes super fort. C'est quoi votre nom encore Jason euh, Isaac, Isaac monsieur. Mais, euh, mais par contre ça devrait être fermé à clé, euh, cette grille-là. C'est pas censé euh, être ouvert. Ah bah alors regardons euh, la serrure alors. Est-ce que je peux investiguer la serrure pour savoir qu'est-ce qui s'est oui. passé Mmh. Allez. Ouais. Je fais ouf, euh, ça y est, la magie m'a quitté. <laughs> Je fais 4 plus 3 7. 7. OK. Je pense que la serrure était défective. Ouais, c'était 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 bien rouillé tout ça et tu vois pas trop la serrure, ouais. Il faudra en parler bon. au... à l'équipe de la voirie euh, pour aux égouttiers, ouais. Voient... C'est leur job, et ils auraient dû garder ça doit pas être ouvert comme ça. ça. Bon, ben en tout cas il est possible que quelqu'un soit passé par là pour, euh, pour le problème. Donc, euh, Allumons une torche, parce que que c'est se rompre euh, Oui. Donc allumons une torche. une torche. Bah oui. Au moins donc effectivement, donc. J'ai pas de donc, cette... que J'ai une... ouais. pris une torche, mais j'ai pas de lanterne. Ok, non, il y a une torche, ça va. Donc tu as une lumière de torche qui, euh, qui éclaire à une certaine distance et qui, euh, qui te fait certaine, voir certaines choses et qui aussi te brouille un peu la lumière, euh, qui, enfin, qui peut aussi te... Tout à fait. Donc tu as une torche. Donc là l'entrée, en fait, c'est un égout un peu classique euh, tel que j'imagine, avec euh, t'as deux euh, deux petits paliers de chaque côté, et puis l'eau au milieu qui passe quoi. Donc euh, un canal pas très très large pour l'instant, peut-être que ce sera plus large après ou autre. Il y a des, des sortes de détritus euh, à différents endroits. Et puis euh, forcément le bruit tout d'un coup qui est étouffé par rapport à l'extérieur, de l'animation et ça plus l'odeur d'humidité, les gouttes d'eau, les plic, ploc, plic. Oh, Qu'est-ce que, que envie. tu fais ça donne beaucoup envie. <laughs> euh, J'imagine que doit pas y avoir tant de passages que ça dans cette zone-là. Donc est-il possible de chercher les traces du coup ici D'accord, tu le fais Bah ben oui. Si tu me dis que je peux, oui. Vas-y. Vas-y, vas-y, tu peux. Ah ben voilà, je fais 18 plus 3 de chercher traces, donc 21. Pas mal. 21, c'est quand même pas mal. Donc, euh, il y a des traces, tout à fait. Qui, qui vont dans les différents sens. D'ailleurs, il y a beaucoup de, beaucoup de bah, traces. Plus plus que ce que tu penses, tu aurais pensé, quoi. Mais ce que tu m'as décrit. Ouais. Et c'est des traces euh, humanoïdes Si c'est des goules des blêmes, c'est des pieds, style des pieds nus, par exemple Les traces que tu vois, ça ressemble à des traces avec des chaussures. Ah. Les éclaboussures et tout. Pourtant, c'est quand même un peu pavé, mais après, il y a un peu de terre, de, de la raison. Et puis, tu vois aussi que c'est de la craie. Ah, bah on avait trouvé sur. J'avais trouvé des trucs, donc. Euh, on se rapproche. Donc, on, ça, on est sur la Ça bonne marque piste. un peu les empreintes et tout ça, quoi. D'accord. Donc. Euh... Donc on est, on a l'air d'être sur la bonne piste, des bottes de chaussures. Est-ce que je sais si les et Si les blêmes et les goules elles portent des chaussures ça, sera ça, Puisque ça serait ça sera un jet d'arcane, ça Puisque ce serait via l'arcane, ou ce serait un jet de. d'histoire Ou un jet. quest c'est D'arcane. C'est les créatures magiques, Mmh. Oui, c'est magique quand même. Alors, 5, euh, 7 plus 5, 12. Mmh. Tu sais pas trop. Peut-être comme c'est des restes. Tu sais que c'est des cadavres animés quelque part. Peut-être que ça peut porter des restants des vêtements que ça avait. Mmh. Mais voilà. D'accord. Donc, euh... ben, il faut s'enfoncer là, du coup. Mais il y en a beaucoup. Mmh. Et. Euh... Ouais, vous entendez des bruits d'eau comme il y a pas mal. L'eau, elle est assez agitée, enfin pas agitée. anormalement, en fait, il y a du courant, il y a des sortes de blou, blou, pas différents endroits, donc c'est un peu. C'est pas. Ouais. Et il y a quelques marches qui descendent, enfin creusées, qui vont un peu vers le bas, et puis il y a un tournant à droite. En bas des marches. Ouais. Ok. Est-ce que le garde de la vigilance peut passer devant, parce que s'il y a un danger, c'est lui qui sait se battre, contrairement à Kav et moi. Euh... Ouais, mais je vois pas bien, moi, avec euh... oui. ça la torche. Mais je lui porte la torche, je suis juste derrière lui, comme ça, il, il aura pas de problème. D'accord, ok. D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'il a Il est, il est armé euh, Oui, il a une épée. D'accord. Donc, euh... moi, j'ai ma... J'ai mon arbalète en main. C'est une toute petite arbalète à une main. Mmh. Et donc... Euh... Nous partons à l'aventure dans le tunnel. D'accord. Que vont découvrir Fossoyeur et ses comparses dans ces tunnels du quartier Cyrillane Des goules, des blêmes ou pire Pour la suite de l'aventure, retrouvez-nous très prochainement abonnez-vous pour être notifié suivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur notre site web, lunduoroliste.net. N'hésitez pas à partager vos commentaires et encore merci Bon jeu